L'intégration du genre dans l'agriculture est déjà un fait au niveau du Burkina Faso parce qu'elles font partie des acteurs principaux. Maintenant, il faut renforcer cette intégration à travers donc les actions combinées des différents acteurs. Hosted by the Impacting Gender and Nutrition Through Innovative Technical Exchange, Ignite Project, the forum gathered key stakeholders working at the nexus of gender and nutrition in Burkina Faso's agricultural sector. The forum offered these critical actors the chance to connect, share challenges and best practices, and work together to prioritize gender and nutrition integration for the betterment of all. Je pense que ce forum est d'actualité et c'est un forum qui est très important. Je pense qu'il serait nécessaire de dupliquer cela pour que les gens comprennent que quand on parle de genre, le genre est transversal à tous les domaines. Le partage d'expérience de la CMBF, la Caisse Mutuelle Burkina Faso, nous a vraiment édifiés. Je dirais que, nous avons vu vraiment l'importance de l'intégration du genre et de la nutrition dans les différentes politiques et procédures. J'ai été particulièrement marqué par un aspect particulier de l'atelier, notamment l'évaluation d'intégration du genre dans mon institution. Au cours de cette évaluation, je me suis rendu compte que tout en étant structure d'encadrement, d'enseignement du genre, je me rends compte que moi-même dans ma propre structure, il y a encore du chemin à faire pour que ce soit institutionnalisé. For Tanager, which implements the Ignite project, the way forward lies in forging partnerships that will advance the integration of gender and nutrition into Burkina Faso's agricultural sector. It invites collaboration with like-minded investors who are committed to sustained investment in this endeavor. On a fait des relations, on a pris des contacts, on a des nouveaux partenaires, on a présenté les outils. Donc la prochaine étape, c'est vraiment de rendre ces outils, comme les recommandés, accessibles à toutes ces personnes qui sont intéressées.